En avant, JRDA pour le progrès. Épurons le PDG et l'État. Confiance au peuple qui ne trompe pas. Ces moments historiques pour la patrie, ne pas résolument demeurer à l'avant-garde de la lutte du peuple laborieux,
vaillamment et désormais engagé à bâtir son destin libre, n'est que trahison et désertion honteuse. Triste et inutile existence. J'ai pris conscience, pour ma part, de ce que révolution est bien exigence d'être pleinement à soi et à son peuple sans calcul. Pour détruire en édifiant, organiser en harmonisant, unir chacun à tous et tous à chacun, réhabiliter l'homme social. L'Afrique, pour prospérer, exige que vieux et jeunes pensent et agissent de concert. Refoulant ce qui aliène et dépersonnalise, ouvrant ainsi et sans cesse grandement les portes du devenir rêvé par les plus justes et les plus opprimés de tous, solidairement liés au grand peuple. En avant, JRDA, pour le progrès continu, car utilité et efficacité signifie racheter les acquis et consolider constamment le pouvoir, rendant chacun libre par et pour tous. Le fameux droit d'aînesse, emblème du règne de l'arbitraire, pourrit et déshumanise le régime. Détruisons donc l'impur, grandissons en fortifiant la cité. Éduquons-nous tout en créant tous les jours l'utile.
L'action révolutionnaire nous libérera et du passé et de ses insuffisances. Temps et espace devenant moyens entre nos mains, agissons donc, poussons et bousculons tout, transformons la nature en restant nous-mêmes. Contre l'exploitation de l'homme, organisons solidement le combat. Neutralisant et détruisant la bourgeoisie, formons la croisade anti-impérialiste, indestructible et invincible brigade de choc. Avançons sans jamais reculer, ni jamais céder au désespoir. Car au bout de l'effort positif, existe toujours plus de bonheur. S'écoule, une jeunesse consciente et ardente peut et doit nécessairement, en l'espace de quelques décades, utiliser ses capacités infinies pour s'assurer un avenir heureux, libéré de toutes entraves et définitivement